Excellences, Monsieur le Président de la Transition, Monsieur le Vice-président de la Transition, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la Transition, Madame la Présidente du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les directeurs généraux de la Société nationale des hydrocarbures du Gabon, du groupe Carlyle et de la société Assala, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole en ce jour historique de signature de SPA du rachat de la société Assala Gabon par l'État. Votre présence à cette cérémonie, pour la présider personnellement, démontre, s'il en était besoin, combien la question de la réappropriation par le Gabon de la souveraineté sur ses ressources naturelles s'impose comme un sujet prioritaire dans votre agenda de la transition. La cérémonie de signature qui se déroule aujourd'hui marque en effet la concrétisation de votre engagement à donner sens à notre souveraineté économique, engagement pris devant la nation gabonaise, notamment lors de votre discours de vœux de Nouvel An, dans lequel vous affirmez solennellement, je cite, « Dans l'optique d'augmenter nos recettes, nous avons décidé de faire valoir les droits de préemption de l'État pour le rachat de la société pétrolière Assala. C'est un acte de grande portée nationale qui permettra à la République de marquer sa souveraineté dans le secteur pétrolier, poumon de notre économie. » Fin de citation. Cette recherche de la souveraineté économique implique la réaffirmation du caractère central des intérêts du Gabon dans la mise en œuvre de votre ambition politique visant à assurer l'essor de notre pays vers la félicité, enjeu majeur de notre développement à court et à moyen terme. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, permettez-moi de m'attarder encore sur cet aspect. L'acte de signature auquel nous procédons aujourd'hui comporte une valeur hautement symbolique. Comme vous le savez, pendant longtemps, notre secteur pétrolier est resté une terre quasiment inconnue pour les nationaux, car malgré son dynamisme et sa capacité à fournir des ressources certaines à l'économie, il est longtemps resté le fait des grandes firmes internationales, ce qui a eu pour conséquence évidente la faible maîtrise du niveau de recherche réellement créé dans le secteur et surtout un impact presque marginal sur le développement d'un tissu d'entreprises autochtones. C'est d'ailleurs pour remédier à cette situation que la Société nationale des hydrocarbures a été créée, avec pour responsabilité d'incarner l'émergence d'une expertise nationale dans le secteur pétrolier, en vue de permettre la maîtrise de l'exploitation de nos ressources pétrolières par des nationaux. Mais comment y parvenir si notre société nationale demeure confinée à l'exploitation de champs marginaux sans un véritable impact sur la production nationale, sans donner les moyens de devenir une entreprise majeure de l'industrie pétrolière nationale? La concrétisation de cette ambition n'est possible que par une augmentation de ses actifs à travers des processus tels que celui que nous amorçons ce jour et qui consiste en l'acquisition de la société Assala Gabon. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, vous l'avez compris,
Cette acquisition doit nous permettre de poser les bases d'une démarche courageuse à partir de laquelle nous devrions bâtir une industrie pétrolière autochtone suffisamment robuste et qui permettra de lever les appréhensions et les réticences qui s'expriment à tort sur notre capacité à exploiter durablement nos propres ressources pétrolières. C'est le défi que nous nous engageons à relever. Et je peux vous assurer, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, que les Gabonais en sont capables, car nous disposons de l'expertise humaine indispensable. J'ai pu en juger depuis que vous m'avez confié la responsabilité de diriger le département ministériel du pétrole. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, c'est l'occasion pour moi de conclure ce petit propos introductif en rappelant les principaux points du SPA que GOC s'apprête à signer sous vos yeux, sans toutefois trahir l'esprit de confidentialité qui domine cet accord. Cet accord, courant dans les transactions de ce type dans lequel nous nous engageons ce jour, finalise les termes et les conditions de rachat des 75% des actifs représentant les parts du groupe Carlyle dans la société Assala Gabon SA. C'est l'aboutissement des négociations engagées entre la GOC et le groupe Carlyle depuis que vous nous avez instruit de prendre toutes les dispositions utiles devant permettre l'exercice du droit de préemption de la GOC conformément au code des hydrocarbures en vigueur. Il s'agit d'un accord contraignant qui oblige la GOC à racheter les actifs concernés et Carlyle à vendre à l'État gabonais. Vous y trouverez dans le détail des informations importantes, notamment des actifs concernés, le prix de vente et bien entendu les conditions de paiement de ces actifs. Le document qui vous est présenté décrit également les périodes de diligence raisonnables, les conditions qui doivent être remplies avant la finalisation du rachat. C'est donc, selon la nature intrinsèque de ce type de document, un cadre pour le processus de négociation qui s'achèvera avec le paiement total du prix et le transfert effectif du droit de propriété qui en est naturellement le corollaire. Dans cet élan, je rappelle l'urgence pour la GOC et le département ministériel dont j'ai la charge d'intensifier dans les meilleurs délais la démarche de mobilisation des ressources financières dans la perspective de la conclusion définitive de la présente opération de rachat. Monsieur le directeur général de la GOC, mes chers collaborateurs présents concernés par ce dossier, cet effort de mobilisation des financements qui vous est demandé et qui, au stade actuel d'avancement de vos démarches, devrait constituer une simple formalité, est essentiel pour amener les plus hautes autorités de l'État à montrer au monde entier le nouveau visage du Gabon, celui d'un pays engagé avec détermination vers l'optimisation de ses recettes pétrolières pour un nouvel essor de notre nation. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, je profite de cette occasion pour inviter l'ensemble des entreprises autochtones à ne pas céder au découragement et à accroître leurs efforts de développement et de conquête des parts de marché en vue de leur présence plus grande dans le bassin sédimentaire gabonais. Je vous remercie pour votre aimable attention. Thank you.
Excellences, Monsieur le Premier ministre de la Transition, Monsieur le Vice-président de la Transition, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Madame et Monsieur les Présidents des deux chambres, Monsieur les ministres, Monsieur les officiers généraux, membres du CTRI, Madame l'ambassadeur des États-Unis, distingués invités, chers amis du Gabon, mes chers compatriotes, l'essor vers la félicité de notre pays a commencé le 30 août 2023. Depuis cette date, notre pays, le Gabon, a entamé, grâce à l'action du CTRI, la rédaction d'une nouvelle page de son histoire. En effet, lorsque nous avons pris la décision d'exercer notre droit de préemption le 25 novembre 2023 pour le rachat des actifs d'Assala Énergie Gabon via la GOC, beaucoup pensaient que nous n'avions ni la détermination ni les ressources pour aller au bout de nos prétentions. À travers cette opération, le Gabon n'a fait qu'exercer son droit souverain sur ses ressources naturelles, comme beaucoup d'autres pays. Mes chers compatriotes, chers jeunes, mes chers élèves, pour l'avenir de demain, c'est une occasion exceptionnelle de positionner notre opérateur économique national, la GOC, comme un acteur du secteur pétrolier et d'avoir une meilleure visibilité sur les modalités du prix de cession officiel de notre pétrole. Cet acte que nous posons aujourd'hui est un point de départ dans notre intention de reconquérir la souveraineté de notre pays et répond à notre ambition à faire en sorte qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. La présente cérémonie constitue donc un moment historique pour notre pays. Car il s'agit pour moi de concrétiser et traduire en acte les manifestations de la souveraineté de notre État. Le rachat des actifs d'Assala est avant tout un acte d'amour pour les Gabonais. Comme disait Félionba, Gabon d'abord. Mon pays demeurera une terre d'accueil pour tous les investisseurs disposés à nous accompagner dans notre essor vers la félicité. Que la jeunesse gabonaise, dont le combat a toujours été la souveraineté et l'indépendance économique de notre pays, puisse mesurer et s'approprier ces moments historiques. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie.